est lundi. Qui dit lundi dit nouvelle semaine. Et qui dit nouvelle semaine dit nouveau vlog. Je vous ai filmé quelques plans de ma journée hier parce que j'avais envie d'être dans une vibe très octobre, automne. J'ai fait des cinnamon rolls et tout, c'était pépite. Je vous ai fait un petit réel d'ailleurs sur Insta pour vous partager la recette si vous la voulez. Il est 7h50, je suis réveillée depuis 6h15 et aujourd'hui je commence les cours à 11h. Donc je pars de chez moi à 9h45. En me réveillant, j'avais qu'une seule envie, c'était de lire mon livre. Parce qu'en fait j'ai bloqué mon temps d'écran jusqu'à 7h30, ce qui faisait que je pouvais pas utiliser mon téléphone avant 7h30. J'ai terminé le tome 1 des Campus Driver hier que j'avais commencé lundi dernier. Donc je suis trop contente, j'ai trop aimé ma lecture. Mais en vrai je me suis dépêchée de le finir parce que jeudi je suis allée acheter Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Et j'avais trop envie de le commencer, donc j'ai commencé ça ce matin et je pense que ce sera ma lecture pour la semaine. Je viens de déjeuner, je suis en train de regarder la nouvelle vidéo d'Alaya. Je vais refaire du yoga slash stretching parce que ça m'avait fait trop du bien et j'en ai hyper besoin là pour mon dos. D'ailleurs, nouvelle habitude, c'est de boire du matcha. J'évite le café le matin maintenant parce que j'avais vu une étude qui disait qu'il faut pas boire de café avant au moins 2 heures après t'être réveillé. Il y a une histoire que ton corps produit quelque chose ou juste... en fait j'ai pas compris. Mais du coup j'évite et je vais essayer de me mettre au matcha quotidien parce qu'apparemment ça a plein de bienfaits. En plus ça fait 2 jours que je m'en fais et 2 jours qui sont excellents, donc je crois que j'ai enfin trouvé la recette parfaite. J'en buvais avant mais plus de temps en temps et là j'ai vraiment envie d'en boire tous les jours. En plus Estelle m'a envoyé le nouveau verre qui est sorti sur son site et elle m'a renvoyé un deuxième pot de matcha, donc je suis très contente. I feel alive. I'm confident. I'm powerful. I wish everyone happiness and success. I always act with love. I'm grateful for it all. Have an amazing, beautiful day. Chez moi, il est 17h03. Parfait, je sais, ok. Les gars, je suis trop choquée. Il est 8h54, je devais partir à 9h45 pour commencer les cours à 11h. Je vais faire 11h30 et reprendre seulement à 15h. Je viens de recevoir un mail de mon école pour nous dire que notre prof de community management, que je devais donc avoir à 11h, est souffrante aujourd'hui et que du coup son cours est annulé. Ça veut dire que là, je commence les cours à 15h et que je finis à 18h. Je suis trop contente. Enfin, j'espère qu'elle va bien, mais je suis trop contente. Ça veut dire que là, j'ai toute ma matinée tranquille pour moi, que je vais pouvoir manger tranquille chez moi, je vais pouvoir bosser, lire mon livre. Je suis un peu dépitée quand même parce que je viens juste de finir de me préparer et que je trouve que je suis très bien sapée aujourd'hui et que ça m'embête un peu de gâcher une tenue pour 3 heures de cours, mais on retient que le positif là. Non mais comment trop bien commencer la semaine. Là, c'est horrible. Il est 12h30 déjà, le temps est passé hyper vite, j'ai fait du montage, j'ai lu mon livre, j'ai fait ma miniature, j'ai fini le travail que j'avais pas fini de faire hier pour l'école. Donc c'est très cool, j'ai pu avancer sur des trucs que je ne pensais pas pouvoir faire aujourd'hui. Je vais partir d'ici 1h, 1h15 à peu près, vers 13h45 je pense, comme ça on sait jamais s'il y a des bouchons sur la route ou que je galère à me garer ou je ne sais quoi. Je vais pas arriver pile à l'heure parce que c'est quand même con d'arriver en retard alors que tu commences les cours à 15h. Enfin, en vrai je me prends une énorme marge parce que j'ai à peine 30 minutes de route quand il y a pas de bouchons pour aller me garer chez Ikea. Je suis sûre qu'il y a personne qui comprend pourquoi je vais me garer chez Ikea depuis 3 semaines, mais c'est parce qu'en fait il y a un énorme parking au Ikea et que le parking du Ikea il est juste à côté de la station de métro que je prends pour aller à l'école. Et pour ceux qui n'arrêtent pas de me dire mais au lieu de te plaindre du train t'as qu'à aller à l'école en voiture, j'en profite pour faire une petite rectification, mais de 1, le parking à Lille ça coûte une blinde, je pense qu'il y a que les Lillois qui peuvent comprendre. Petite estimation, le parking de la Citadelle il me semble que c'est quasiment 12€ les 5 heures. Tous les jours non merci. Dans la rue de mon école il n'y a pas de place pour se garer et le prix est le même. Quasiment 20 balles tous les jours pour se garer, ça fait un peu cher. Plus l'essence, plus au moins une demi-heure de bouchon tous les matins qui ferait qu'au lieu de mettre 45 minutes à aller à l'école, je mettrais 1h20. Donc voilà, toutes ces raisons font que je n'ai pas envie de prendre ma voiture pour aller à l'école, sauf le lundi, puisque je me gare dans une ville à côté de Lille, parce que j'ai le temps tout simplement d'aller me garer là-bas le matin et qu'il n'y a pas de bouchon à l'heure à laquelle je pars, donc je suis pas embêtée. Et que le soir, ça m'arrange vu que je finis à 18h. Mais le reste de la semaine, je suis désolée, la SNCF te promet des horaires de train, ils sont censés assurer leurs horaires. Et donc on en parlait hier avec ma sœur, on a tellement banalisé le fait que la SNCF ne font pas leur travail correctement que tu ne peux pas leur faire confiance. Parce qu'on va pas se mentir, tu peux pas faire confiance à la SNCF. Tous les matins avant de prendre le train, je vérifie qu'il n'y a pas une annulation ou un retard ou je ne sais quoi. Donc on a tellement banalisé le fait que la SNCF ne fonctionne pas correctement que maintenant on vient taper sur les doigts des gens qui se plaignent de pas pouvoir prendre leur train, genre. C'est-à-dire que vous m'engueulez dans les commentaires parce que je me plains que mon train n'est pas passé alors que j'ai une voiture. Alors que excusez-moi, je paye 40€ par mois, j'aimerais bien que mon train
train passe quand il est censé passer. En plus ça c'est un transport moins polluant, donc je trouve ça quand même fou qu'on nous tape dessus parce qu'on prend le train et pas la voiture genre. Attends, mais je racontais autre chose avant ça. Je disais que je me prenais grave à l'avance parce qu'en soi j'avais qu'une demi-heure de route. Donc bon bref, vous savez quoi, on passe le sujet parce que je sais plus où j'en étais. Le truc que j'allais dire au tout début quand j'allumais la caméra, c'était qu'il est 12h30 et que si je pars vers 13h30-45, ça me laisse une heure pour trouver ce que je mange, me faire à manger et manger. Mais le problème c'est que j'ai pas hyper faim là, mais si je ne mange pas, à 15h en arrivant à l'école, je vais crier famine. Vu que j'étais censée aller à l'école aujourd'hui, j'étais censée avoir mon tupperware. C'était des lasagnes à la bolognaise que ma maman m'a pris chez Carrefour hier. Mais je me dis ce serait quand même hyper bête de manger chez moi un plat tout prêt que je pourrais prendre cette semaine pour aller à l'école. Oh non, je sais ce que je vais manger. J'ai pas faim, mais ça devrait me nourrir un petit peu. En plus de ça, j'ai pas besoin de cuisiner, donc on va se faire une petite soupe courgette vache qui rit. Les meilleures soupes. C'est écœurant, non? S'il y en a bien un qui est très content que je ne sois pas allée à l'école ce matin, c'est bien lui, parce que du coup, il a pu rester dehors toute la matinée. Oh, quelle star! Ça c'est moi tout craché, ne jamais couper les étiquettes tant que j'ai pas porté mes habits. Il est 13h32, je vais pas tarder à partir, je vais aller me brosser les dents et après on y va. Bah moi je vous laisse là, je go à l'école et je vous retrouve en rentrant vers 19h sûrement. Et ça rime en plus. Il n'y a pas à dire, j'ai vraiment eu trop de chance la semaine dernière quand j'ai trouvé une place juste à l'entrée du parking. Et là je suis encore garée à l'autre bout comme il y a 2 semaines. Je viens juste de rentrer à la maison, là il est 19h30, je suis passée chercher chinois ou japonais, je sais jamais, pour ce soir parce qu'en fait je suis passée devant ce matin et je me suis dit mais c'est vrai qu'en allant me garer à l'homme en fait je passe tout le temps devant ce chinois. Donc j'ai envoyé un petit message à mes parents, je leur ai demandé s'ils voulaient que je passe prendre chinois pour ce soir, ils m'ont dit oui, ils m'ont envoyé leur petite commande, donc je suis allée chercher ça à 18h45. Je vais aller me démaquiller, je vais passer sous la douche vite fait, comme d'hab tous les lundis je ne me lave pas les cheveux ce soir, puis après on va manger, ensuite je vais essayer d'appeler mon copain. Selon le temps qu'on va passer ensemble au téléphone, je verrai si j'ai le temps de lire un petit peu ou pas, mais j'ai quand même envie de lire ce soir. Et dodo pas trop tard, parce que même si j'ai pas eu une journée très éprouvante, demain je me lève à 5h30 quand même. On va essayer de reposer tout ça là, pour avoir les neurones bien au frais. Même si en soit demain à 16h30, bon bref, on s'en fout. Mais vous pouvez même pas imaginer le nombre de trucs que je coupe au montage. Genre là je viens de vous dire plein de trucs, je suis sûre que je vais couper les 3/4, parce que quand je monte mes vidéos, je me dis mais Lola, je bifurque, je change de sujet mais tellement facilement. J'ai toujours pas coupé mon nouveau jean, ça va faire 2 semaines que je l'ai, je l'ai toujours pas mis du coup. Parce qu'apparemment il prévoit encore des grèves demain, donc il faut que je prenne ma voiture parce que je déteste conduire dans le noir, en plus s'il y a des bouchons et tout ça va être horrible. Il est 6h30, comme vous pouvez le voir j'ai pas l'air extrêmement pressée de partir. Ce matin je prends pas le train parce que mon papa m'a dit qu'ils avaient prévu de faire des grèves aujourd'hui et quand j'ai regardé sur l'application de la SNCF, en effet c'était écrit qu'il fallait faire attention parce qu'aujourd'hui ils prévoyaient des mouvements intersociaux. Donc j'ai vérifié quand même en me réveillant ce matin et tous mes trains sont affichés. Mais je sais pas, je flaire qu'il va se passer un mauvais truc cet après-midi et que le train de 15h45 va être supprimé et que je vais devoir attendre le train de 17h45. Donc j'ai décidé que j'allais y aller en voiture. Je vais partir vers 6h30, enfin un peu plus même parce que là il est 25. L'avantage dans tout ça, c'est que du coup, j'ai le temps de me préparer un petit matcha à emporter. Hop. J'espère qu'il est bon. Non mais pour de vrai, je commence vraiment à les faire de mieux en mieux. C'est très cool. Bon bah allez, j'ai un peu trop d'énergie pour une personne qui s'est levée à 5h30 quand même. Bisous, à ce soir. Non, à cet après-midi. Parce que du coup, je vais rentrer à la maison à 16h max. Me voici rentrée de ma longue journée, enfin non, ma plus longue journée c'est vraiment demain. Je suis vraiment pas prête à faire 9h30, 19h30, ça va être tellement long. Ma journée s'est plutôt bien passée, j'ai fini les cours à 15h, je suis de retour à la maison du coup 2h30 plus tard alors que je suis partie en voiture ce matin. Mais c'est parce que je suis allée à Anglo pour ceux qui connaissent. Quand je suis arrivée à Anglo il était genre 15h50-55 et je suis repartie à 16h45 parce que j'ai passé un bon moment dans les bouchons quand même. En plus de ça j'ai dû aller récupérer un colis parce que je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé dans un point relais qui n'est pas du tout dans ma ville. Chez Stradivarius je me suis acheté 2 tops que je vous ai montré porter là, le top noir d'ONU et le top gris avec la petite étoile, je trouvais que ça faisait très subdué.
good vibe. Le colis que je suis allée chercher, c'est une grosse commande Naked. Bon, ma résolution, c'est que tout ce qui est là, ce soit vraiment mes derniers achats en first hand. Et après, en fait, passer à de la seconde main jusqu'à cet hiver au moins. Parce que là, on va pas se mentir, ce mois de septembre, j'ai dépensé pas mal d'argent. J'ai pas acheté beaucoup de vêtements, mais j'ai dépensé beaucoup de sous dans des vêtements. On commence avec un petit top noir qui se porte comme ça sur les épaules. J'en avais acheté un sur Vinted l'année dernière de chez La Gamme, mais la matière faisait qu'il remontait tout le temps. Donc je l'ai revendu sur Vinted parce que bah je kiffais pas, enfin c'était pas du tout pratique quoi. Du coup je m'en suis recommandé un sur Naked. La matière m'a l'air beaucoup mieux et beaucoup plus adhésive au corps. Oh my god, c'est trop beau, j'aime trop. Les manches elles sont longues, j'adore porter mes tops un petit peu sur les mains comme ça. Si vous voulez les liens des vêtements que je vais vous présenter là, ce sera dans ma story mardi. J'ai plein d'espoir en cet article, mais pour le coup c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est une maxi jupe longue. Je l'ai prise en XS celle-là pour pas qu'elle soit trop grande à la taille. Oh, j'adore. Elle a pas l'air de m'empêcher de marcher. Genre c'est hyper cool. C'est pas comme la longue robe Bershka où tu peux pas faire 3 pas sans tomber. Genre j'ai un souci avec les jeans Naked, c'est que le 36 est trop grand. Mais le 34 là je suis un peu serrée dedans quand même. Il est trop quali, oh my god. C'est la première fois que j'ai un blazer noir qui ressemble à quelque chose. Le seul blazer noir que j'ai eu dans ma vie, c'était un Shein qui n'avait aucune forme. Du coup, ça fait perpète que je l'ai revendu sur Vinted. Et j'arrivais pas à trouver le beau blazer noir. Et là, je crois que je l'ai trouvé. Ah mais c'est bon, je vais le porter tous les jours maintenant. Je voulais m'acheter un pull blanc parce que c'est vraiment le basique que j'avais pas dans mon armoire. Il est pas blanc de blanc, il est un peu blanc, cassé, beige. J'adore la coupe, il est un petit peu oversize et tout, grand comme ça. Bon, je vous rappelle, je suis pas payée pour vous dire ça. C'est vraiment de la qualité, les vêtements tiennent dans le temps. Quand ils passent en machine, les vêtements ne bougent pas. Si vous cherchez des bons basiques pour que ça vous dure dans le temps, style blazer, pull comme ça, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Naked et d'investir. Je suis très satisfaite de ma commande, trop contente. On va faire le tri de cette bibliothèque. Oui encore, quand je fais pas du tri de vêtements, je fais aussi tout le temps du tri de livres. Mais là, c'est parce que j'ai eu une prise de conscience hier soir dans mon lit. Je me suis dit qu'en fait, j'avais trop de livres que je savais pertinemment que je ne vais jamais les lire. Soit parce que je les ai commencés et j'ai pas aimé le début donc je les continuerai pas. Soit parce que à chaque fois que je cherche un livre à lire, c'est pas du tout vers cela que je me tourne, alors que ça fait hyper longtemps que je les ai en ma possession. Je vais tous les vendre sur Vinted. Je fais ça en regardant la vidéo de Rosa Bonheur. J'ai l'impression de regarder ses vidéos dans tous mes vlogs, mais ça fait 2 semaines que j'ai redécouvert que j'avais un iPad d'ailleurs, et du coup je regarde tout le temps mes vidéos dessus, c'est trop trop bien. Du coup je me suis acheté un petit support en bois comme ça chez Action, très sympa. Ma tenue du jour, c'est très très simple. J'ai mis mon blazer noir Naked avec mon petit top étoile que j'ai acheté hier chez Stradi, avec mon petit jean gris Zara que j'ai pas encore porté. Et pour le sac, j'ai enfin remis mon Vanessa Bruno. Déjà parce qu'il va totalement dans les tons de ma tenue puisqu'il est gris. Et ensuite parce que j'ai plein de trucs là dans mon sac, entre mon chargeur, mon ordi, ma bouffe pour ce midi, mon livre. J'avais besoin de place, donc du coup j'ai pris celui-là. Il est 8h10, je vais aller mettre des glaçons dans mon matcha parce que là il est chaud, c'est horrible. Du coup bah je vais me dépêcher de finir mon matcha parce que dans 7 minutes il faut que je sois partie de chez moi. Dans 12 heures je serai encore dans le train pour rentrer chez moi. Cette journée va être d'une longueur mais vous avez même pas idée genre. Et oui on dirait que j'ai des antennes au niveau des cheveux mais j'ai pas le choix sinon ça ressemble à rien. En l'air
quand on a des journées un peu down. J'ai pas passé une très bonne soirée hier soir. Du coup, ce matin, je me suis réveillée hyper sous tension. J'ai fait une énorme crise de nerfs juste parce que je trouvais pas les pailles pour faire mon café. D'ailleurs, je les ai toujours pas retrouvées. Hein. J'ai un stock de pailles énorme chez moi. J'ai toutes sortes de pailles et j'en ai pas trouvé une seule. J'ai retourné tout le lave-vaisselle qui était propre. J'ai tout claqué. Vraiment crise de nerfs, mais vraiment, j'ai hurlé. Heureusement qu'il y avait personne dans la maison. Du coup, là, j'ai pris le temps pour moi. Il est 10h. Je suis en train de me maquiller. J'ai été prendre un bain juste avant. J'ai fait des masques et tout pour me calmer un petit peu, m'apaiser un peu. Je suis en train de me préparer parce que j'ai rendez-vous à 10h45 pour aller me faire épiler les aisselles. J'étais allée le faire le 1er septembre et là ça a un peu repoussé, mais franchement beaucoup moins que quand je me rase, je suis choquée. Genre là en quasiment un mois j'ai une repousse hyper fine. En plus la meuf qui me les a fait début septembre, elle m'a dit que vu que j'étais jeune, à force de le faire régulièrement, il va arriver un moment où j'aurai quasiment plus de repousse en fait. Du coup j'ai rendez-vous pour ça, c'est écrit que ça va prendre 10 minutes, je paye 13€, je le fais chez Yves Rocher. Après ça je pense que je vais passer faire des courses en vitesse pour pouvoir me faire un cake au jambon fromage. Je voulais voir mon copain à la base aujourd'hui mais finalement je sais pas trop si ça va se faire, je pense pas. Parce que j'ai du montage à faire, j'ai envie de me reposer, genre là vraiment je me sens hyper fatiguée en fait, hyper mal. Mon état de ce matin là, enfin vraiment ça m'a trop mise dans le mal. J'ai assez bien dormi cette nuit même si j'étais toute seule du coup, vu que mes parents sont partis dormir à l'appartement de ma soeur hier soir, j'ai passé la nuit seule. Ça m'a pas forcément empêché de dormir mais je me suis quand même réveillée hyper tôt parce que j'ai repris le rythme de l'école et que j'ai beaucoup de mal à dormir tard. Ah non mais c'est une blague, je viens de finir d'emballer les colis et il y en a une qui me demande un lot. Bah désolé mais ça attendra, je n'ai pas le temps parce que là j'ai pour projet d'aller déposer les colis en rentrant de mon rendez-vous chez Yves Rocher. Et vu que je dois partir d'ici 15-20 minutes maximum, faut que je me dépêche quand même. En plus j'ai mes règles, alors j'ai mal au ventre, je vous dis pas. J'arrive pas à savoir si mes cheveux sont juste doux ou s'ils ont une texture poisseuse. Il est 12h40, je viens de rentrer à la maison, je suis allée me faire épiler, ça a duré même pas 10 minutes. Après ça, je suis allée faire un petit tour chez Picard. Ensuite, j'ai déposé mes colis et je suis allée chercher McDo pour moi et pour elle. C'est pas très healthy, mais écoutez... En plus, vu que je suis un rat, je me suis pris un menu McFirst parce que j'en avais un offert avec mes points. Du coup, j'ai payé ton menu à toi. Mais c'est simple. Il est 14h15, je viens juste d'aller déposer deux nouvelles commandes Vinted qui ont été passées ce matin. J'y suis allée surtout parce que j'avais un colis à récupérer. C'est un truc, je sais même pas comment cette marque a eu mon adresse. Je n'ai jamais reçu aucun mail de leur part. C'est très effrayant ça, de recevoir des colis de gens à qui tu n'as jamais parlé. Je sais pas comment ils se sont procurés ton adresse. Ça vient de la Provençale Bio, c'est une trop belle boîte 3-2-1 Glow. Et à l'intérieur de ce colis, du coup, on a un petit miroir de poche. Il faut vraiment un bac plus 5 pour l'ouvrir. Bah non, pas du tout en fait. Et avec ça, on a leur produit, l'éclat de jouvence, sérum booster d'éclat à la vitamine C. Oh non, je crois que je vais adorer la texture, ça ressemble de ouf au nouveau produit The Ordinary qui est sorti, la tout rose. Oh, la texture elle est incroyable, j'adore. Et du coup, je suis allée chez Action pour aller chercher des enveloppes bulles et devinez avec quoi je suis sortie sauf des enveloppes bulles. Ma phrase, elle voulait rien dire du tout là. Pitié, dites-moi que vous aussi, ça vous arrive. Des fois, vous allez dans un endroit pour aller acheter quelque chose et en fait, vous ressortez avec tout sauf ce truc que vous aviez besoin, genre. J'ai juste acheté une boîte à mouchoirs parce que j'en ai trop marre de voir ma vieille boîte à mouchoirs moche là qui traîne sur ma table de chevet. J'ai repris 3 masques gold, le même que je me suis fait ce matin parce que j'ai adoré en fait le fait qu'ils soient séparés en deux parties. C'est comme ça, pouce en l'air, donc j'en ai repris 3. Une petite plaque M&M's parce que j'ai fini celle que j'ai achetée samedi. Un paquet de M&M's crispy, les meilleurs. Et mes deux paquets de bonbons favoris que j'achète tout le temps. Ça va, le problème c'est que je mange pas les roses et bleus. Donc je vais les refiler à mon copain parce que lui c'est ses préférés et moi c'est ceux que j'aime le moins. J'ai très envie de cuisiner là. Enfin mon copain va arriver, il va venir à la maison de ce que j'ai compris. Je sais pas exactement combien de temps. J'ai envie de faire de la cuisine. J'ai trouvé une recette sur Pinterest de cookie brownie. Ça avait l'air succulent. J'adore l'automne, faire des pâtisseries, des brioches et tout. Je trouve que c'est vraiment la meilleure saison pour faire tout ça. En fait je pense que je veux pas me l'avouer mais je crois que l'automne c'est vraiment ma saison préférée. C'est la saison la plus Pinterest, la plus esthétique de l'année. Mais comment passer avec son ex Catherine jusqu'à ce qu'elle en soit convaincue et... Qu'est-ce qu'il y a encore? La montre à gousset, où est-ce qu'elle est? Mais quoi? Écoute, tu joues les mêmes mystérieux. Finalement j'ai décidé que j'allais quand même faire ma babka et comme ça si elle est bonne je pourrais en refaire une samedi. Donc là c'est un essai. Enfin en soi j'en avais déjà fait une l'année dernière mais
Et ça, c'est le résultat de mes petits cookies que je laisse refroidir pour qu'ils réduisissent un peu. Je valide pas du tout les gaufres Picard, c'est vraiment pas ouf, trop cher pour ce que c'est. Par contre, mon scandale de ce matin là, il est totalement justifié, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont bougé mes pailles de place sans me le dire. Au lieu d'être dans le bac à couverts, elles sont dans cette armoire là tout en bas. Comment je suis censée deviner moi? C'est moi qui les ai fait. Ça va se casser. Je vous rappelle qu'on est dans un University Week et qu'on n'entend pas beaucoup parler de travail par ici quand même. Du coup là il est 17h15, je vais me mettre en mode travail, en mode montage parce que j'ai pas très bien avancé le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Là je me donne à peu près 1h15 de travail, donc jusque 18h30. À 18h30 je vais continuer ma babka, je vais faire le façonnage, la garniture et tout. Ça fait une semaine et demie là, que j'ai une autre manière de bosser parce que j'ai d'autres outils pour bosser. C'est-à-dire que mon ordinateur est posé très loin devant moi, genre tout au fond de mon bureau, parce que avoir l'ordi collé aux yeux c'est vraiment pas ouf. En plus de ça il est surélevé depuis un moment déjà et ça j'aime beaucoup. Il est surélevé grâce à un petit meuble comme ça que j'avais trouvé chez Ikea. Et la semaine dernière j'ai reçu un colis de la part de Logitech et d'ailleurs on va vous faire un concours sur Instagram. Donc allez me follow sur Instagram si vous voulez remporter ce que je vais vous montrer. Ils m'ont envoyé le clavier portatif comme ça sans fil qui est génial. Il pèse une feuille, vraiment absolument rien. Et j'ai aussi la souris pareil qui ne pèse rien et qui est en Bluetooth sans fil. Depuis que j'ai ça, ça me permet du coup de mettre mon ordi assez loin et de faire du montage directement sur le clavier et grâce à la souris. Et vraiment ça m'a changé la vie pour le montage, c'est beaucoup plus pratique, j'adore. Et donc la semaine dernière je me suis acheté un support pour iPad et j'ai retrouvé mon iPad que j'avais acheté en avril et que j'avais complètement délaissé. Et donc là ça fait une semaine pareil que quand je fais du montage je monte avec soit des sons un peu lofi, soit je me mets un vlog sur YouTube parce qu'en soi les vlogs c'est des vidéos sur lesquelles t'as pas besoin d'être hyper concentré, mais ça fait quand même un fond sonore, je baisse quand même pas mal le son. D'ailleurs je vous ai même pas montré mais hier j'ai changé mon fond d'écran d'ordinateur, j'ai mis plein de petites étoiles. Et j'ai aussi changé la couleur de mes dossiers qui sont là, je les ai mis en marron, je trouve que ça rend trop trop bien. Si vous voulez savoir comment faire, il faut juste aller sur Pinterest ou sur TikTok, il y a plein de tutos. Ah j'ai vu le fond. Très pressé, hier soir mon père m'a dit qu'il prévoyait des courses ce soir. Je viens de mettre ma babka à cuire. Honnêtement, j'ai pas forcément beaucoup d'espoir. Je pense que celle de l'année dernière était beaucoup mieux. Parce que celle-là était très très collante au plan de travail. Je sais pas comment ça se fait. Pourtant, j'ai pris la même recette que l'an dernier. J'ai exécuté la recette comme il fallait de A à Z. Donc, je suis dégoûtée. Mais bon, on va pas s'avouer vaincue tout de suite. Hein. Peut-être qu'au goût, elle sera géniale. Mais en tout cas, physiquement, elle est beaucoup moins belle que l'an dernier. Je suis très énervée là. J'ai mis ma caméra à charger pendant 2 heures. Et en fait, elle a pas chargé. De toute façon, j'étais énervée toute la journée. Ma journée, ça a fait ça, les montagnes russes d'émotions. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Rien qui va. Rien qui va. Je vais sortir mon plat pour demain. Pareil, truc que j'ai acheté chez Picard tout à l'heure. Je pense que je vais sortir le poulet et mini farfalle sauce aux 3 fromages. Ça a l'air excellentissime sur la photo. Je sais pas si je laisse ce haut aujourd'hui ou si je mets le haut naked avec les épaules dénudées. Dans tous les cas, il faut que je mette en noir parce que j'ai trop envie de mettre mes gazelles parce que je les ai pas mises cette semaine. Par contre, ça c'est vraiment ma coiffure go-to. En fait, là je suis de retour dans mon era où je peux plus me saquer les cheveux détachés. Du coup, j'essaie de trouver des alternatives de cheveux mi-attachés, de cheveux tout attachés et ça c'est vraiment ma coiffure préférée. Parce que je trouve que la demi-queue cheveux lisses ça me va pas trop, mais par contre la demi-queue accrochée avec une petite pince qui vient de chez Naked d'ailleurs et les cheveux ondulés, je trouve que c'est très sympa. En plus, ce qui est cool avec les ondulations, c'est que même si ça se détend au fur et à mesure de la journée, tu garderas quand même un petit move. Ça me prend 10 minutes à faire le matin. C'est comme ça, pouce en l'air, j'adore. D'ailleurs, en parlant de pince à cheveux, je commence à en avoir un petit, enfin un grand stock même. J'ai toutes les tailles possibles et inimaginables. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais donc hier, je suis allée me faire épiler les aisselles pour la deuxième fois. La femme qui a fait mon épilation hier a été trop gentille. Genre, ça a duré à peine 10 minutes et je n'ai rien senti parce qu'on a fait que de parler tout du long. Du coup, je pense que la prochaine fois que je prendrai rendez-vous avec elle. Je vais me couper une bonne babka là pour le goûter devant une petite vidéo YouTube ou Vampire Diaries, je sais pas. Je vais en parler pendant tout le vlog hein, mais ma babka elle est complètement excellente. Hier j'avais trop peur de l'avoir loupée par rapport à la texture qu'elle avait mais elle est trop bonne. Avec un grand verre d'eau parce qu'en ce moment je bois beaucoup 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 d'eau. Ah non, j'ai pas fini la vidéo de Devi. Je suis tombée dans un trou de taupe. T'as qu'un joufal. Viens me dégager.
suis en train de me faire un truc. Je suis vraiment désolée que ce vlog ait été hyper nul cette semaine. Enfin, je trouve que je vous ai vraiment pas vlogué grand chose, je vous ai pas réellement emmené avec moi dans mes journées. J'ai vraiment pas réussi à avoir ce réflexe de prendre ma caméra à bout de bras tous les jours. Je pense que ça se voit à ma tête actuellement, mais j'ai passé une semaine hyper compliquée en émotions. Genre vraiment les montagnes russes, mais genre tous les jours. Mais le pire c'est que c'est vraiment pour des raisons toutes plus nulles les unes que les autres. Genre en réalité c'est rien passé de grave dans ma vie cette semaine, genre vraiment pas en fait. J'ai juste passé la semaine à pleurer pour des trucs tous plus futiles les uns que les autres. Enfin c'est pas des trucs futiles parce qu'en soi quand on pleure c'est jamais futile. Je sais pas, en fait c'est des trucs qui sont pas graves, enfin, genre personne n'est mort, je veux dire, enfin je sais pas si j'arrive le vlog maintenant et on s'arrête ici, ou alors si je me déterre demain justement passer une meilleure journée et donc à vous emmener avec moi dans cette meilleure journée, enfin je sais pas. Là il est 19h45, mon copain est passé me voir une petite demi-heure à la maison avant d'aller chez son meilleur ami. Là je pense que je vais regarder Vampire Diaries, je vais lire mon livre et je vais aller dormir. J'ai même pas faim, genre là le fait d'avoir encore pleuré encore une fois, ça m'a juste donné mal au ventre. Ah bon c'est bon, désolée. Je laisse ma dignité de côté là, trop de dons négatifs dans ce vlog, mais franchement. Genre là c'est vraiment le pompon pour terminer la semaine. Mon iPad se casse la figure de ce support que j'ai acheté chez Action, qui en vrai il est cool, mais l'iPad glisse toutes les 3 secondes, genre c'est chiant. Il était en train de charger, il s'est passé un truc que, ce qui n'est jamais arrivé à personne, vraiment qui n'est jamais arrivé à personne. Mon chargeur s'est cassé, l'embout là comme ça, il est resté coincé dans l'iPad et ça c'est parti. Voilà, donc mon chargeur de téléphone est cassé, il me reste 13% de batterie, bien évidemment j'ai pas de second chargeur, sauf qu'en plus c'est un chargeur USB-C. Demain je vais devoir courir à boulanger, me racheter un nouveau chargeur d'iPhone quoi, comme si j'avais envie de mettre je sais pas 50 balles dans un nouveau chargeur, enfin vraiment ça me fait péter les plombs, genre j'ai juste envie là c'est d'aller m'enterrer sous ma couette et soit de me réveiller lundi parce que je sens que ce week-end il va pas bien se passer du tout. Je sais pas ce que j'ai envie là hein. Je sais pas si c'est parce que j'ai mes règles hein, mais là franchement je pleure pour... Vous voyez quand je vous dis que je pleure pour des trucs nuls, je viens de casser mon chargeur, je vais pleurer pendant une heure parce que j'ai cassé mon chargeur genre. J'arrive pas à m'exprimer en plus sans zozoter là, ça me saoule. Ça y est, en réveillant ce matin, j'ai terminé Un automne pour te pardonner. Il était incroyable. Si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà fait ma revue dans ma story et sur mon canal. Il était vraiment trop bien, un banger vraiment de A à Z. J'ai mis 5 étoiles sur 5 parce que... Je me suis touchée avec ma salive, je vais mourir sur place. J'ai rien à dire de plus, je suis très très nulle pour faire des revues littéraires, c'est d'ailleurs pour ça que je ne suis pas ou plus sur le BookTok. Cherchez pas midi à 14h, ne cherchez pas 46 000 revues, si vous hésitiez à l'acheter, allez l'acheter, foncez, vraiment, il est trop trop bien. Je suis hyper contente de l'avoir lu, par contre je l'ai lu super rapidement. En vrai je suis hyper heureuse parce que j'étais grave en panne de lecture là début septembre, et là en 2 semaines j'ai lu 2 livres, Campus Driver et celui-ci. Et là maintenant il me tarde de commencer à lire Anatomy Love Story, ça fait je ne sais pas combien de mois que ma sœur l'a dans sa pile à lire et qu'elle ne l'a toujours pas lu et qui me fait trop de l'œil. J'ai tellement l'habitude d'avoir ma montre que j'ai fait ça, mais non meuf. Il est 9h50 déjà, c'est passé super vite là, j'ai fait quasiment une petite heure de montage. Maintenant je vais aller prendre ma douche. Hier soir je m'étais dit que j'allais aller marcher et tout ce matin, mais j'avoue j'ai archi pas la foi d'y aller toute seule parce que j'ai pas envie de marcher juste au bord du lac, j'ai envie aussi de monter dans la forêt, mais j'ai trop pas envie d'aller dans la forêt toute seule, genre j'ai pas envie de me faire agresser, de me faire kidnapper, ce que vous voulez. Là j'hésite sur le programme du reste de la matinée, c'est soit je vais me laver tout de suite pour aller chez boulanger et ensuite je fais mes devoirs, mais si je vais me laver maintenant ça va me prendre grave du temps, je vais démarrer hyper tard, tandis que là si j'enfile juste un legging en 2-2 que je vais chez boulanger avec la dégaine que j'ai maintenant, je vais plus vite être rentrée et quand je serai rentrée je pourrai plus vite me mettre à bosser. Ouais je pense qu'on va faire ça. Me revoici, 30 minutes et 40 euros dépensés plus tard avec un nouveau chargeur. Il y avait un chargeur à 25 euros et il y en avait un à 40 euros. Et celui à 25 euros, c'était 1 mètre. Je me suis dit, bah 1 mètre c'est petit, c'est pas ce que j'ai. Donc je me suis dit, bah je vais prendre le 2 mètres. Le 2 mètres il coûte 40 euros. En fait, le 2 mètres il est genre énorme. Jamais de la vie, j'ai besoin d'un chargeur aussi grand. Bon, au moins, on va dire que j'ai un long chargeur et que ce qui m'est arrivé hier risque de peut-être moins m'arriver. Un chargeur tout neuf, super. Au moins, j'ai pas perdu de temps. En fait, je savais que si j'y allais pas ce matin, j'allais jamais y aller et que du coup, j'allais jamais racheter chargeur et que du coup j'allais voler les chargeurs de tout le monde et que j'allais tout le temps me faire engueuler. Maintenant je vais aller prendre ma douche.